Voilà, aujourd'hui c'est samedi 9 janvier 2010. Je suis au Grand Palais, là-bas au fond. Je ne sais pas si on va pouvoir voir, mais c'est le pont Alexandre III. C'est pour marquer le coup parce que il neige tellement peu à Paris depuis une vingtaine d'années. Et là aujourd'hui c'est la super neige. Voilà le Grand Palais enneigé et à ma droite il y a les Champs-Élysées qui a une décoration un peu moche avec des drapeaux pas terribles. Tant mieux que ce soit en sépia parce qu'on ne verra pas. C'est un rose très moche, très très moche. C'est très bruyant. Mais je tenais quand même à faire ce clin d'œil parce que c'est quand même incroyable de voir Paris sous la neige. Chose qui est assez rare. Enfin rare, je ne sais pas. Mais c'est très 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 bien. Moi, il fait très très froid. Franchement, il fait un froid de canard. C'est incroyable le temps qu'il fait. Mais c'est très 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 bien. Regardez, j'ai fait 360. Et on repart après sur le pont Alexandre III, qui est le voilà. Je finis là avec le Grand Palais. Le tour est fait. Et puis voilà, samedi 9 janvier. Je ne sais pas quelle heure il est, doit être 11h30, voilà.